J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours pour Noël, hein. Là tout de suite, en fait, je viens de tourner mon petit photo-fort de Noël et j'ai encore un peu de temps, donc j'avais envie de tourner une seconde vidéo. Donc c'est parti, on va faire une seconde vidéo, enfin on va tourner, je vais tourner une seconde vidéo, pardon. Cette fois-ci, je vais vous proposer tout simplement de réaliser une petite carte. Effet montagne un peu scénette pour Noël. Pour réaliser cette carte effet un peu montagne, vous aurez besoin d'un papier qui fait 12 cm par 30 cm. On va prendre notre papier avec les 12 cm à la verticale et on va venir faire des plis. Donc, on va venir faire un premier pli à 3 cm. Un second pli à 6 cm. Un troisième pli à 11 cm. Puis un quatrième pli à 16 cm. Pour finir, un dernier pli à 23 cm. On peut ranger notre massicot pour l'instant, on n'en a plus besoin. Du coup, pour cette carte, pour qu'elle ressemble à une montagne, on va réaliser des plis. Alors, le premier, nos premiers 3 cm, on va les plier vers l'intérieur. Nos deuxièmes 3 cm vers l'extérieur. Puis nos 5 cm vers l'intérieur. En fait, on alterne comme si on faisait un accordéon. Donc là, on change de sens, on fait vers de l'autre côté. Pour finir, on rabat vers l'intérieur. Et normalement, si tout se passe bien au niveau de nos plis, on est pile poil à la bonne taille pour notre papier. Voilà, comme ceci. Et voici notre montagne qu'on va pouvoir mettre en scène avec par exemple des petits personnages, des petits feuillages, des petites décos. Enfin voilà, ce genre de petites choses.
Voilà. J'ai mon sentiment qui est tamponné. Bon, il n'est pas très droit, je vous l'accorde, mais c'est pas grave, ça fera un effet sur la carte. Parce que, en fait, c'est pas très droit et je pense que j'aurais du mal à l'avoir droit. Parce que, en fait, le papier calque, bah, c'est quand même un papier assez lisse. Et du coup, ça glisse. Donc, bah, c'est pas grave, ça me va quand même. Je range ça et je range ça. Je vais laisser sécher mon sentiment parce que, bah, justement, comme le papier calque, c'est lisse, bah, il y a des chances, malheureusement, que ça sèche plus lentement. Donc, on va éviter de faire des catastrophes, hein. Et je vais laisser sécher. Et quand ce sera sec, je vais venir ici le coller. Et je pense même du coup que je vais faire des plis. Une fois que j'aurai trouvé l'endroit où je souhaite le mettre. Par exemple là, bah, je vais venir faire un pli. Un autre pli. Et je vais venir coller en fait derrière mon papier calque. Et la carte ressemblera à ceci. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu. Et du coup, voilà ma petite carte terminée. Donc, quand elle est dans l'enveloppe, elle est comme ceci. Elle prend pas trop d'épaisseur. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir la poser. Bon, là, par contre, ça se baisse un petit peu plus. Je pense que le poids, fait ça. Donc, du coup, le devant, c'est pareil. Il n'est pas très. Enfin, il n'est pas très droit, mais par contre, c'est pas choquant. Une fois qu'on la regarde de face ou qu'elle est posée, hein, en hauteur, vous le verrez quand je vais prendre ma photo. Mais du coup, ce n'est pas choquant le fait que ce soit un petit peu plus relevé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite carte toute mignonne. Et moi, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous. Bye bye!